Sortak, j'espère que vous allez bien, comment ça va, super bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour GTA 6. Donc aujourd'hui nous allons parler d'une proposition, d'une suggestion, bref, appelez ça comme vous voulez, on s'en fout, ça veut dire la même chose. Et puis voilà, j'ai pensé à ça en voyant une des nouvelles armes de GTA 5 sur Next Gen. Et puis, je me suis dit, ça veut peut-être dire un message, on ne sait pas. Mais voilà, après, ça veut sûrement rien dire. Mais quand même, des fois, on sait jamais avec Rockstar, on sait qu'il y a des easter eggs, il y en a pas mal, c'est les rois des easter eggs. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas en parler à mes abonnés et ainsi à d'autres personnes. Donc, je vous présente l'arme. Donc je me rappelle plus du nom, voilà, c'est une arme futuriste, et puis, banale, tout simplement. Et puis je me suis dit, peut-être que ça veut dire que nous pourrions avoir un GTA 6 futuriste. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que, bon, on sait que ces temps-ci, la mode est, le futur, hein, Call of Duty est rendu futuriste, bon, je sais plus qu'est-ce qui est futuriste, mais vraiment plein de jeux sont futuristes, Titanfall, Destiny, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein de jeux qui sont très futuristes. Et puis je me suis dit, est-ce que Rockstar vont suivre le mouvement et puis créer un GTA 6 futuriste? Bon, c'est sûr que je crois pas que c'est leur genre, sérieusement, de scraper leur jeu. Parce que oui, je dis scraper parce que je pense pas que ça serait une bonne idée de faire ça. Parce qu'il y a quand même plusieurs options qui s'offrent à eux, hein. C'est pas comme si, bon, c'est pas comme Call of, hein. Eux maintenant, c'est comme il y avait plus d'autres options, donc ils ont choisi d'aller plus vers le futur et d'inventer des choses. Mais voilà, peut-être que ils ont voulu inventer ça. Après, je dis ça, mais peut-être que ça sera pas tout le GTA 6 en entier. Peut-être qu'on aura la possibilité, comme regardez, là il y a le easter egg des aliens, c'est pas éclairé encore. Peut-être qu'on va avoir des aliens. Peut-être dans GTA 6, ça va être ça, un espèce de portail comme dans GTA, pas GTA, mais dans Assassin's Creed. Unity, on peut aller dans un portail pour aller dans le futur et tout. Et puis peut-être ça pourrait être ça, qu'on aille dans le futur puis qu'on voit des espèces de choses comme ça, ou voilà, c'est des propositions, hein. Comme je vous dis, j'en fais beaucoup de propositions, mais en voyant ce terme, je me suis dit, il y a de quoi à faire avec ça. C'est futuriste, c'est louche, c'est pas normal, c'est pas une arme, c'est pas normal. Mais voilà, je dis ça, peut-être qu'il voulait juste mettre ça comme ça, peut-être c'est pas de signe, mais voilà. Donc voilà, j'aimerais savoir vos avis sur, sur cette vidéo dans les commentaires. Aussi, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, ainsi qu'à commenter la vidéo, voilà, je l'ai déjà dit, mais à partager la vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao ciao!